toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous présente ce pull demi-saison col bateau, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un pull très très simple à faire, avec la particularité des bordures colorées, et aux manches on reprend la même bordure. Voilà, donc le point est très simple. Je vais m'approcher. Voyez, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez une taille à peu près L, XL. Voilà, vous voyez, il est large sur les côtés, il est large. Vous pouvez bien sûr décider du pull que vous voulez faire en fonction de vos dimensions ou des dimensions pour lesquelles vous faites ce pull, si vous l'offrez. Voilà. Les coutures pratiquement invisibles. Je vais vous montrer les coutures sur les côtés. Voilà. Voilà le pull. Il est très 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 facile à faire. J'adore les couleurs. Un petit peu printanière avec du turquoise. Donc ça peut être aussi un pull d'été, fin d'été, ou un pull du soir. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite au pas à pas. Vous allez voir, il est très très simple à réaliser. Pour ce projet, j'ai utilisé donc ce fil en microfibre de la marque Alizé, et c'est le fil Diva. Alors j'ai utilisé environ, pour cette taille LXL, 3 pelotes de batik, Alizé Diva batik, et 3 pelotes de Diva taille unie, couleur unie, pardon. Alors, c'est un fil en microfibre, donc 100% acrylique microfibre. Alors là, ça ressemble au coton, ce n'est pas du coton. C'est lavable en machine. Franchement, il est superbe. Il est vraiment superbe. Donc, j'ai utilisé, c'est un fil, ce sont des pelotes de 100 grammes. Ça se crochette entre 2,5 et 3,5. J'ai utilisé un crochet numéro 3. 3 mm, voilà. Alors le coloris beige, c'est le coloris 383. Je précise que ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 350 mètres. Alors le beige, c'est le 383, et le batik un peu qui reprend, voyez, cette couleur beige, c'est la couleur 4603. Je vous mettrai en barre d'infos où trouver ce fil. Alors je tiens à préciser que dernièrement, malheureusement, la marque Alizé a des problèmes d'approvisionnement. Donc j'essaie de vraiment vous trouver des liens pour que vous puissiez prendre ce fil, parce que je vous assure, il est formidable. Je suis aussi en train de rechercher une autre marque que j'ai vue, dont le fil ressemble étrangement. C'est toujours une marque turque, hein, parce que vous savez que les fils, en majeure partie, sont produits en Turquie. Avec les derniers événements turcs, le séisme en Turquie, il est vrai qu'il y a de gros soucis d'approvisionnement. Même si sur Istanbul, les filatures n'ont pas été touchées, mais c'est un petit peu toute la logistique qui a été, on va dire, chamboulée. Donc j'espère vraiment que vous puissiez trouver ce genre de fil. Sinon, vous utilisez un coton comme vous voulez, et puis vous pouvez aussi trouver dans d'autres marques des cotons avec des changements de couleur. Mais franchement, pas trop gros. Le fil, pas trop gros. Donc, vous voyez, moi, je l'ai crocheté avec un 3 mm et ça suffit largement. Sinon, ça devient un pull un peu trop lourd. On va dire ça comme ça. Vous aurez besoin, bien sûr, d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille, voilà, à coudre. Pas de machine, mais l'aiguille. Très bien. Alors, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc avant de commencer le pas à pas, je vais quand même vous expliquer un petit peu la formation de ce pull. C'est très facile, puisqu'il vous faut donc deux carrés ou rectangles, puisque tout dépend des dimensions que vous voulez faire. Et ensuite, nous nous accrochons directement pour faire les manches. Je vous expliquerai comment faire plus tard. Voilà, alors les dimensions
pour une taille L, XL, j'ai 56 ici par 56 de hauteur. En fait, ce sont deux carrés. Voilà, peut-être 54 là. Vous voyez, je pensais que c'était 56, mais c'est 54. 54 ici et 56 cm ici. Mais ça, c'est pour une taille très large, XL, etc., que ça soit ample. Et puis, les manches. Alors évidemment, les manches, mais les épaules partent d'ici, hein, parce que c'est très très large. Le col est bateau, vous voyez. Donc, j'ai continué par 40 cm de manches. Vous voyez, mais comme ça tombe un peu plus, les épaules commencent ici, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, vous voyez vraiment, le fil est vraiment superbe. J'ai déjà fait des pulls sur ma chaîne avec le fil Diva. Il y a le pull automne et vraiment, il est extrêmement agréable à porter. Alors, je vais vous expliquer en fait ce que vous devez faire, ce que vous devez calculer. Alors, vous devez prendre la circonférence la plus proéminente de la silhouette. Parce que vous pouvez bien évidemment, par exemple une silhouette comme ceci, vous pouvez bien évidemment décider de faire un pull court, genre été, ou encore plus court, crop top, un peu plus moderne, ou le faire descendre ici. Donc, vous prenez la circonférence la plus proéminente sur le pull que vous voulez faire, et bien sûr vous divisez par deux et vous ajoutez 2 cm de chaque côté, 2 plus 2, voilà, 2 cm de chaque côté. Donc comment ce pull est construit, vous avez compris, moi j'ai fait deux carrés comme ceci, voilà, et j'ai accroché donc des manches ici. Alors, je vous donne un conseil. Quand vous avez déterminé la partie dos et donc la partie devant, vous savez que vous avez ici le motif batik, le motif en uni et le motif coloré. Je vous conseille de déterminer la hauteur du motif, donc je l'explique dans la vidéo. En fait, vous divisez par 4 et donc la hauteur sera un quart. Et là, vous avez deux quarts de motif coloré. C'est exactement ce que j'ai fait, je vais vous montrer. C'est plus joli, voyez. Ici, de là à là, de là à là et ici. Là, j'ai déjà commencé, mais comme je tombais sur le beige, ça ne se voit pas. Mais bien entendu, ça, c'est une proposition. Vous, si vous décidez de faire cette partie plus grande, libre à vous, en fait. Libre à vous. Vraiment, vous calculez vraiment en fonction de la hauteur totale que vous voulez. Moi, je vous conseille de diviser par 4. Voilà. Un quart, un quart, un quart et un quart. Voilà. Et vous divisez par 4. Et comme ça, c'est assez harmonieux. Ensuite, ce que vous avez trouvé ici, vous le reporterez sur les manches. Voilà. Donc, c'est très facile. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. C'est un pull droit. Donc, c'est un pull droit. Il n'y a pas vraiment de difficulté en crochet. Donc, je vais commencer à vous expliquer comment faire ce point en fil batik. Ensuite, vous avez bien compris qu'ici, nous sommes en bride. Donc, rien de bien compliqué. Et puis, nous repartons sur le point. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite. Vraiment, pour le pas à pas, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et vous allez apprécier vraiment ce fil. À tout de suite. Alors là, je vais commencer à vous expliquer le bord, le point du bord. Vous allez voir dans la vidéo, j'avance, je fais donc mes deux bandes, mais je vais vraiment vous expliquer le point de bord qui est un peu en relief. Vous voyez,
on le voit ici en caméra. Donc c'est très très facile. Et ce sont 4 rangs à répéter. Donc pas de difficulté. Alors, ce point, et je vous le mets sur l'écran, est un multiple de 3 plus une maille. Multiple de 3 plus une maille. Donc là, je vais faire un échantillon de points, puisque les bandes, vous les voyez, elles sont déjà préparées. Alors, vous montez votre maille chaînette et vous faites une maille chaînette en fonction de vos dimensions, multiple de 3 plus une maille chaînette. Donc on se retrouve, je vais faire un échantillon et on va voir tout de suite comment affronter le premier rang. Alors j'ai fait la maille chaînette comme je vous l'ai dit auparavant, 3 multiple de 3 plus une maille. Maintenant nous montons, donc il faut faire un rang de bride. Donc nous montons avec 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Avec la quatrième maille chaînette, ça va faire une bride comme ça qui monte. Voyez? Donc vous allez piquer dans la cinquième maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites donc votre bride. Ça veut dire la deuxième bride, puisque la première est comptée comme une bride, comme ceci. Et vous faites bride sur bride. Et donc au total, vous devez compter le nombre de brides qui correspondent à vos mailles chaînettes de 3 plus 1. Voilà. À tout de suite pour le deuxième rang. Alors, donc vous avez fait votre maille chaînette. Je voudrais aussi vous préciser pour cette largeur de 56 cm, c'est-à-dire celle que j'ai faite, j'ai fait 145 mailles. 144 multiples de 3 plus une maille. Donc moi, pour avoir 56 cm, j'ai fait 145 mailles. Bien évidemment, c'est à vous de voir. Et je voulais aussi vous préciser, par expérience, quand vous faites, par exemple, vous prenez des mesures, vous dites, voilà, moi, mon pull devant doit faire 40 cm. Donc, je fais 40 cm de maille chaînette pour commencer. Et puis, vous commencez à faire votre point, des brides, etc. Et puis, quand vous prenez vos dimensions, vous mesurez, vous n'avez plus 40, mais vous avez 42, même des fois un peu plus. Mais ça, c'est normal, parce que le fait de mettre des points dans les mailles chaînettes, ça élargit automatiquement. Alors, prenez aussi en compte ce paramètre parce que des fois, on peut être déçu, on veut un pull adhérent et il l'est moins parce qu'on a fait des points, on ne va pas tout défaire. Donc, faites aussi, vous pouvez faire aussi un échantillon. Ce fil se fait et se défait parfaitement et sans l'abîmer parce que c'est vraiment une microfibre. Donc, on n'abîme pas le fil si on défait l'ouvrage. Voilà, mais c'est quand même un peu dommage. Alors, nous avons fait le rang numéro 1. Je vais zoomer, voilà, pour le rang numéro 2. Alors, le rang numéro 2, c'est un rang de bride en relief. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc, le relief se verra ici, de l'autre côté. Alors, vous allez commencer comme ceci. Nous devons faire notre première bride et nous la faisons toujours comme ceci. Et ça, c'est pour tous les rangs. Quand il y aura une bride, vous faites comme ceci pour éviter des espaces. Tout de suite ici, tout de suite, vous faites une maille serrée et deux mailles en l'air. Ah, alors attendez, je recommence parce que là j'ai un fil qui s'est inséré. Voilà, ma maille serrée et deux mailles en l'air. En fait, ça ressemble à une bride. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les brides avec le crochet à l'arrière. Et vous faites toutes les brides comme ceci. Alors, je répète, vous prenez vos brides ici. Le crochet est à l'arrière. Celle-ci est devant vous. Et vous faites toutes vos brides comme ceci. Tout le long. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'endroit.
sur l'endroit, nous avons ce relief comme ceci. Alors là, le fil est beige, donc malheureusement, avec la lumière de la caméra, etc., c'est un petit peu délicat, mais je vais passer bientôt au marron, donc on verra un petit peu mieux. Voilà, donc vous continuez avec ces brides en relief. Donc voici le mouvement. Je prends, j'enrobe comme ceci, voyez, la bride qui suit là, je l'enrobe et je fais une bride. Donc on se retrouve pour le rang numéro 3, vous allez voir, c'est très très simple. Donc on continue et voyez sur l'endroit, on voit une petite rangée comme ça en relief. À tout de suite pour le rang numéro 3. Alors, j'ai fini ce rang et n'oubliez pas, la dernière bride ne sera pas en relief puisque c'est pas vraiment pertinent. Donc, vous piquez dans la troisième maille chaînette du début et vous faites une bride classique, une bride normale. De toute façon, cette bride sera dans les coutures, donc elle est simple et ça ne se voit pas. Alors, regardez, j'ai fini le rang et vous avez donc ce relief. Comme ceci. On le voit si je tourne, voilà, si je tourne en caméra, on le voit bien. Alors, le rang numéro 3. Nous commençons avec une bride. Et vous savez que pour éliminer, pour faire cette bride un petit peu qui élimine un peu les espaces, je fais toujours une maille serrée ici dans la première bride et deux mailles en l'air. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait une bride vraiment alignée. Dans la bride suivante, ici, je fais une bride. Voilà. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. Et dans les 3 prochaines brides, je vais faire des brides reliées ensemble. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Ce sont 3 brides qui sont liés ensemble et qui deviennent comme ceci. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça forme un petit triangle. Ce sont 3 brides reliées ensemble. Alors, c'est très très simple à faire. Donc, dans la première bride, vous commencez comme d'habitude, un jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, 2 boucles. Et on s'arrête là. On ne continue pas, on ne termine pas cette bride. La bride suivante, la même chose, vous faites le jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté et vous éliminez seulement 2 boucles. Et on s'arrête là. On recommence la même opération pour la troisième bride. Un jeté, vous piquez, un jeté, vous ramenez ici, un jeté, 2 boucles. Comme ceci. Et là, un jeté et vous éliminez toutes les boucles. Et nous avons fait 3 brides reliées ensemble. Vous continuez avec 4 mailles en l'air de séparation et vous faites la même opération. Dans la bride tout de suite qui suit, vous faites la même chose. 3 brides ensemble. Donc, je pique ici, je ramène, je prends un jeté, j'élimine seulement 2 boucles. Je recommence, un jeté, je pique, je ramène, un jeté, seulement 2 boucles. Un jeté, je pique, je ramène, un jeté, 2 boucles. Là, j'ai 3 boucles plus la première du début qu'on ne compte pas, puisque c'est la maille en fait. Donc j'ai les 4 boucles ici, un jeté et j'élimine tout. Et je recommence, 1, 2, 3, 4. Donc, vous répétez exactement ce processus. Je vous le montre en cam. Vous pouvez faire pause. Vous voyez, dans chaque bride, il n'y a pas d'espace ici. Hein, vous continuez les unes après les autres et vous séparez de 4 mailles en l'air. On se retrouve à la fin du rang. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, avec les comptes des mailles chaînettes, il vous restera 2 brides, c'est-à-dire les 2 brides du début. Donc, vous faites 1, 2, 2, 3,
4, toujours les 4 mailles en l'air. Et ici, vous faites une bride à moitié, plus ici dans la troisième maille chaînette, enfin dans la maille, dans la bride, puisque ce sont les deux mailles chaînettes que nous faisons à chaque fois. Donc vous piquez juste en haut, vous faites une bride à moitié et là vous éliminez. En fait, ça fait deux brides ensemble. Pour faire les deux brides ensemble ici au début, ce n'est pas trop possible. Donc de toute façon, ça ne se voit pas puisque c'est sur les bords. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Vous terminez comme ceci. Il vous restera donc deux brides ici pour la fin du troisième rang. Alors maintenant, pour le deuxième rang. Nous partons sur le quatrième. Alors ici, vous montez, il n'y a pas de bride à faire, vous montez avec 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. 4 mailles, c'est-à-dire la hauteur d'une bride. 4 mailles chaînettes plus une maille chaînette de séparation. Ici, vous avez un trou, un espace, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous faites une maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Donc, vous avez compris que nous faisons des petits arceaux comme ceci. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, on se retrouve à la fin. Vous avez vu, rien de bien compliqué. On continue. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace, dans le petit trou. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc vous êtes bientôt à la fin. Donc vous avez fait vos 4 mailles en l'air, une maille serrée dans le dernier espace. Et là, vous faites une maille en l'air et vous faites une bride au sommet des deux brides ici. Et vous faites donc une bride. Ah, j'ai un invité. Et le voilà. Et donc, j'ai un invité surprise. Très bien. Alors, donc, vous avez compris. La maille serrée ici, la maille en l'air. Je vais rezoomer. La maille en l'air et une bride au sommet des deux brides ici. Voilà. Donc là, je retourne l'ouvrage. Et je continue. Donc, le cinquième rang. Alors, le cinquième rang est très simple. Nous allons faire toujours pareil. Nous montons avec... Alors, j'essaye. Mon invité surprise a envie de câlin, mais je dois continuer ma vidéo. Alors, vous montez comme ceci. Maille serrée. Deux mailles en l'air. Toujours pareil, c'est comme notre bride. Et ici, toujours dans le même espace, une bride. Voilà. Ici, nous allons faire trois brides dans le trou, les grands trous. 1, 2 et 3. Donc ici, j'ai fait deux brides. Ici, j'en ai fait trois. Et là, vous continuez. C'est très facile. Trois brides dans les grands trous, dans les espaces. 1, 2 et 3. Ici, trois brides. 1, 2 et 3. Et vous répétez cette séquence. On se retrouve à la fin pour voir ici ce que l'on fait, mais vous avez compris, c'est vraiment très très simple, très très simple. Et là, nous allons répéter les séquences que nous avons faites au rang précédent. Donc en fait, ce que nous faisons ici,
c'est comme si nous faisions le rang numéro 1, c'est-à-dire le rang de bride. Voyez, nous comblons les espaces. Voilà. Alors, vu que j'ai terminé, j'ai accéléré, je vais vous montrer la fin de ce rang. Voilà. Donc, ce que nous avons fait au début, nous devons le faire à la fin. Et donc, ici, dans la troisième maille, ici, vous voyez à peu près, vous faites deux brides dans la même bride. Voilà, deux brides dans le même espace. Vous terminez comme ça sur le bord, comme ceci. Voilà. Et à partir de là, vous répétez le rang numéro 2. C'est-à-dire, donc je vais vous répéter ce rang numéro 2, vous montez avec une maille serrée, toujours pareil, hein, deux mailles en l'air, c'est-à-dire la première bride, et puis les brides que vous voyez, vous allez donc les faire en relief. Donc celle-ci va être faite en relief, c'est-à-dire vous enrobez la bride et vous enrobez, comme au rang numéro 2, toutes les brides pour avoir ce relief. Donc vous enrobez par devant et le crochet est par derrière. Et vous voyez, nous recommençons. Donc je vais vous montrer le... Ici, nous venons de faire nos blocs et là, nous faisons notre rang de brides en relief. Et ensuite, vous recommencerez, oh là là, mon invité s'impatiente. Donc, vous avez ici à refaire le rang numéro 2. Et ensuite, vous faites le rang numéro 3, voyez. Le 3, c'est celui-ci. Le 4. Et le 5, on recomble avec les 3 brides. Voilà le point. Vraiment pas du tout compliqué. Donc, on se retrouve. Voilà, donc moi j'ai terminé ma bande de motifs et avec le fil coloré. Et comme je vous l'avais dit, j'ai terminé avec le rang des brides prises par l'avant. Donc, j'ai terminé comme ceci. Donc j'ai commencé du côté gauche et là je me retrouve à terminer sur l'endroit. J'ai coupé mon fil, je l'ai caché et il est temps pour moi maintenant de partir sur la couleur unie, vous voyez. Donc je vais me raccrocher ici, bride sur bride, bride sur bride, des allers-retours et vous décidez bien sûr la hauteur que vous désirez pour ce pull. Voilà. Donc, vous continuez, comme ceci. Et pour reprendre la partie colorée, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire une chose. Vous devez vous arrêter sur le côté gauche avec votre fil de couleur unie. Et vous reprenez votre fil multicolore du côté gauche, c'est-à-dire vous retournerez votre travail et vous commencerez par le rang des brides prises par l'arrière avec le fil multicolore. D'ailleurs, on le voit, là, c'était la partie beige du fil et puis après, il a changé de couleur. Voyez ? Donc, quand vous devrez reprendre pour le haut, vous reprenez avec le fil multicolore, mais du côté envers et vous faites vos brides prises par l'avant. Et ensuite, vous continuerez, bien sûr, le dessin, le point que je vous ai détaillé. Et vous terminerez avec le rang des brides prises par l'avant, le rang des brides en relief, pour avoir cette finition que vous voyez bien ici, voyez. Donc, comme ça, nous avons commencé avec ce début, c'est-à-dire le petit relief, et nous le terminons avec le petit relief. Vous voyez, je dois encore couper le fil. Donc, on va se raccrocher. Je vais vous montrer
C'est vraiment très simple. Vous vous raccrochez simplement. Donc, je vais vous montrer comme ceci. Je vais prendre mon fil. Alors, voilà mon fil. Je vais vous montrer ça très simplement. J'espère que beige sur beige, vous allez voir en caméra. Voilà. Hop là, oui, là vous voyez. Donc, vous reprenez la première bride. Elle est là, vous voyez. C'était deux brides ensemble, mais vous la prenez la première. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme ceci, vous tirez. Vous avez fait un petit nœud et là, vous reprenez à l'intérieur et vous faites vos trois mailles en l'air. Avec le fil qui nous dérange, voilà. 1, 2 et 3. Le fil ensuite, vous tirez, vous le cachez. Vous pouvez même le plaquer directement tout de suite ici. Et vous prenez et vous faites bride sur bride. Vous avez les trous déjà tout prêts. Voilà, les trous, et vous reprenez la couleur comme ceci, la couleur unie. Ensuite, vous faites vos allers-retours, et ensuite, vous repasserez à la fantaisie, à la couleur fantaisie et le point. Ce devant, vous devez exactement le faire identique deux fois. Voyez, vous devez en faire deux, comme ceci. Je vous laisse faire les deux, le devant et le dos. Et ensuite, on se retrouve pour l'encolure et les manches. Voilà, à tout de suite. Alors, nous voici avec les deux... de côté, le devant et le dos. Alors, nous devons maintenant coudre ici et faire l'encolure. Alors, tout dépend bien évidemment de chacun. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'assez étroit ou une encolure bateau un peu plus large, c'est à vous de voir. Pour ma part, je laisse ici à peu près 22 cm de libre. Donc, vous devez coudre ici d'un côté et de l'autre. Moi, je laisse à peu près cette ouverture pour ne pas avoir une encolure non plus trop ouverte. Voilà. Alors, en ce qui concerne la décision de couture, c'est à vous de voir. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, moi, j'ai 60 cm. 22 cm, vous voyez, à partir du centre, ça fait à peu près quelque chose comme ça. Donc, le cou est ici, il y a un petit peu sur les côtés et voilà. Alors, je vais vous faire une vidéo rapprochée pour vous expliquer la couture. J'ai déjà commencé ici, j'ai déjà terminé. Et nous ne voyons pas la couture. Elle se trouve ici. Vous voyez, on ne voit absolument pas. Donc, je vais vous expliquer comment faire une couture invisible pour l'encolure. Ensuite, nous nous occuperons des manches. Voilà. C'est très très simple, pas de souci. Alors maintenant, une vidéo vraiment zoomée pour vous expliquer comment coudre ce côté et celui-ci. Alors, avec le fil coloré, donc de la bobine colorée, pas le beige, hein. Avec le fil coloré, vous allez plaquer. Alors regardez bien, nous avions terminé des deux côtés avec le rang de brides par devant, pour avoir justement ce petit relief. Vous allez plaquer et vous allez voir ici les chaînettes, comme ceci. Alors, vous allez commencer à coudre. Alors, bien évidemment, hein, j'explique, vous savez où vous devez vous arrêter. Si vous voulez vous plaquer, vous pincez ici pour éviter... Pour éviter quoi? Des choses comme ceci, voilà. Et vous savez où vous devez vous arrêter. Alors, voici comment commencer. Vous allez prendre le coin des trois mailles chaînettes ici et le coin des trois mailles chaînettes de l'autre côté. Vous tirez le fil
vous faites un nœud, comme ceci. Et vous en faites un deuxième, donc double nœud, et vous cacherez le fil, celui-ci, vous cacherez le fil par la suite. Alors, voilà, je vais bien me mettre dans l'axe. Alors, vous avez bien plaqué comme ceci. Vous avez chaînette ici, chaînette là. Vous allez prendre le brin extérieur de la chaînette, celui qui est le plus à l'extérieur, et celui-ci qui est le plus à l'extérieur. Et vous faites un point comme ceci. À côté, vous allez faire comme ceci, et je pense que nous voyons parfaitement en caméra, le brin extérieur avec le brin extérieur, et vous faites le petit point. Et vous commencez exactement, vous êtes exactement en face, voyez, ici, avec ce brin-là, comme ceci. Et vous faites vos allers-retours. Regardez à côté. Je le prends. Je vais chercher. Voilà. Et je fais mes allers-retours. Là, je vais à côté. Le brin extérieur. Et voilà. Quand vous avez terminé, vous faites un nœud, un double nœud, et vous cachez les fils. Vous commencez par la partie externe pour aller vers le centre, vers le col. Voilà. Et vous continuez. On y va doucement. On essaye justement de faire coïncider les points chaînettes avec les points chaînettes pour ne pas être de travers. Et je vais vous montrer donc en zoom la couture qui ne se voit pas. C'est celle-ci. Et donc, une fois que ça sera sur l'épaule, on ne la voit strictement pas. Alors, petite astuce pour vous repérer, d'un côté comme de l'autre, vous pouvez compter, par exemple, c'est... Vous savez que vous devez en faire, par exemple, jusqu'à la 20e d'un côté, jusqu'à la 20e de l'autre. Comme ça, c'est une manière de... C'est une façon d'être bien symétrique, voilà, d'être bien symétrique. Alors maintenant, je vous laisse finir les deux côtés, ici. On va s'occuper des manches. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez fait les coutures latérales, vous voyez, on ne voit vraiment rien, nous allons nous occuper des manches. Donc j'ai déjà préparé une manche parce que je vais vous expliquer, en fait, rien de... bien compliqué. Donc, vous allez mettre votre pull ouvert comme ceci, du côté en droit vers vous. Bien évidemment, vous allez calculer la largeur des manches, c'est-à-dire que vous imaginez que nous allons replier comme ceci. Donc, vous devez calculer pratiquement du centre combien vous désirez faire votre manche, si vous la voulez adhérente, si vous la voulez beaucoup plus, large, bien évidemment. Une fois que vous avez calculé, vous pouvez calculer sur la moitié, vous enfilez le pull ou vous prenez un pull que vous avez déjà, ou si vous faites ce pull pour quelqu'un, vous pouvez à la limite calculer en fonction de vos dimensions. Moi, je vais tout de suite vous dire... Pratiquement, je vais prendre le mètre. J'ai fait à peu près 39 cm ici, vous voyez, 39 cm. Donc, il faudra pratiquement du centre, vous calculez. Donc là, vous voyez, ça fait à peu près 19,5 et 19,5. Vous calculez à partir après la fantaisie combien de rangées, puisque nous sommes sur des rangées, vous allez faire et vous démarrez. Et là, je vais vous donner l'astuce pour reprendre les points, puisque vous allez vous retrouver avec une marge comme ceci, qui est un peu irrégulière. Donc, je vais vous dire
comment prendre ces points? Vous prenez la couleur beige et vous faites un rang de bride. Vous devez faire un rang de bride multiple de 3 plus 1, puisque ensuite nous allons reprendre notre fantaisie, notre point fantaisie. Et vous savez qu'il faut faire un multiple de 3 plus 1. Alors vous calculez où vous démarrez et ensuite vous pouvez très bien ajuster vos multiples de 3 plus 1 dans la première rangée de brides. Bien évidemment, vous ferez ça de l'autre côté, vous ferez le même nombre de brides, évidemment, pour l'autre manche. Une fois que vous avez fait, vous commencez ici, à droite, vous allez ici. Une fois que vous avez fait votre rangée de brides, multiple de 3 plus 1, vous allez faire une rangée de brides prises par l'avant, comme nous faisions sur notre fantaisie. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir, et là je vais zoomer, le fait d'avoir fait, donc là je vais vous montrer, voyez là, le fait d'avoir fait, donc sur l'envers, donc au retour, vous faites les brides prises par devant, bien évidemment sur l'endroit, ça va vous donner du petit relief, un petit relief. Et si vous voulez, ça va un peu masquer l'irrégularité normale du premier rang de brides, puisque nous avons un bord un peu irrégulier. Donc, je vais vous le montrer. Si vous êtes comme ça, vous avez ce bord comme ceci, vous voyez. Et donc, pour piquer les brides, pour faire le premier rang de brides, quelquefois, vous avez des trous, des espaces, etc. Alors, pour justement masquer cette irrégularité et avoir un joli pull, ce rang de brides prise par l'avant, donc le deuxième rang, va vous donner cette petite rayure. Ensuite, bien évidemment, vous continuez. Donc là, je vais vous montrer. Vous continuez et c'est à vous de décider, bien évidemment, de la longueur de votre manche. Donc, pour vous donner une idée, je fais 1,65 m à peu près. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, j'ai décidé pour une longueur de manche à peu près de 37 cm, longueur de manche de 37 cm, en sachant que bien sûr l'épaule avec ce modèle arrive ici. Donc ça fait une manche bien sûr plus longue. Donc à peu près 37-38. Et la manche va m'arriver ici. Voilà. Alors, vous continuez des allers-retours de bride. Et une fois que vous avez donc décidé qu'il est temps de passer à votre fantaisie, vous vous arrêtez ici sur la gauche. C'est exactement ce que nous avons fait avant. Vous arrêtez sur la gauche, vous prenez votre fil fantaisie et vous faites le premier rang de notre fil fantaisie avec notre bordure de points, avec des brides prises par l'avant. Vous voyez, on les voit. Les brides sont prises par l'avant et ça fait cette petite rayure en relief. Et à partir de là, vous repartez sur le point que vous connaissez désormais. Donc en fait, ça fait vraiment une uniformité dans le dessin et surtout dans la confection de ce pull. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment prendre les brides sur le premier tour, le premier rang, c'est-à-dire on va se raccrocher pour commencer la manche. Je vais vous montrer un peu parce que si vous en faites trop, les unes à côté des autres, ça va gondoler, votre manche elle va gondoler et c'est vraiment pas joli. Donc il faut vraiment espacer, ne vous inquiétez pas. Ça ne se verra pas puisque nous avons notre rang de brides prises par devant. Alors, quand vous devez faire les brides prises par devant, vous devez toujours les commencer ici, sur la gauche. C'est-à-dire que vous avez terminé ici, vous retournez et c'est là que vous commencez vos brides prises par devant. En fait, c'est sur l'envers du travail. Voilà, sur l'envers du travail, vous faites vos brides prises par devant. Alors, on se retrouve tout de suite.
surtout pour avoir une vision de comment commencer ce premier rang de beige, là, de couleur unie, avec ce rang irrégulier. Et puis, vous calculez, c'est à vous de voir vos dimensions, la partie beige, et après, donc, vous recommencez la partie colorée fantasy, avec le point que nous connaissons. Je vais vous montrer, donc à tout de suite, je vous montre comment commencer et ensuite je vais vous montrer aussi la couture. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez terminé les deux manches, eh bien, une couture tout le long. Voilà, rien de bien compliqué. Une couture tout le long. À tout de suite. Pour les explications de dernière minute, c'est-à-dire les explications vraiment pour éviter une manche disgracieuse qui gondole et qui est et dont il y a beaucoup trop de points au début. Voilà, donc je vais vous montrer vraiment en rapproché comment gérer ce premier bord de bride avec en sachant que vraiment c'est de toute façon un peu irrégulier. Donc moi j'avais calculé que je devais commencer ici, donc je fais l'équilibre en ce qui concerne la droite et de l'autre côté la gauche, donc je me raccroche. Alors pour se raccrocher, vous avez plusieurs méthodes, vous pouvez faire une maille en l'air, vous serrez, vous laissez la boucle et là je me raccroche, donc 1 2 3, donc c'est ici que je dois me raccrocher. J'avais calculé cela pour l'autre manche. Vous faites la boucle, vous la passez et vous commencez. Donc 1, 2 et 3, c'est notre première bride. Comme d'habitude, la première bride. Alors maintenant, là maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Donc je vois là une première boucle, donc je la crochette. Ok. Là par exemple, vous n'allez pas la faire tout de suite à côté, ni ici, ni là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles sont trop rapprochées, parce qu'ensuite vous voyez une deuxième boucle à côté, donc vous crochetez. Et si vous crochetez comme ceci, eh bien je peux vous assurer que la manche va vraiment gondoler parce que ça va être, il va y avoir trop de points. Donc vous espacez vos points, donc là vous voyez, là il y a une boucle et là il y en a une autre. Moi je vais espacer mes points, mais vraiment. Et les espaces, vous voyez, je ne vais pas la faire ici, je vais la faire ici à côté. Les espaces, de toute façon, ne se verront pas. Donc là, vous voyez, non, c'est un petit peu trop. Vous devez vraiment bien répartir le tout. Donc là, j'y vais. Alors, évitez aussi d'aller ici dans les trous, parce que ça se voit. Là, ça va se voir, par contre. Donc ici, j'espace. Et je laisse à peu près ce genre d'espace entre les brides. Quelquefois, on ne peut pas faire autrement. On va la plaquer juste à côté. Mais alors, celle d'après, bien évidemment, voilà. En fait, votre premier rang de brides va se présenter un peu comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que le deuxième rang, comme je vous l'avais indiqué, vous faites des brides prises par devant. Et ça va automatiquement effacer le fait que ça ne soit pas si régulier que ça. Donc, une fois que vous avez terminé, vous tournez et vous faites comme notre point fantasy. Vous commencez comme ceci. Une maille serrée, 1, 2, 2 mailles en l'air, c'est la première bride. Et au deuxième rang, vous prenez par devant, comme ceci. Voilà. Et après, vous avez vu, je vous ai expliqué comment reprendre. Vous faites votre partie colorée, et après, enfin votre partie centrale, et après votre partie fantasy. Voilà. Donc le deuxième rang qui va se présenter comme ceci, va automatiquement, regardez, on ne va plus voir ce qui s'est passé en dessous. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un peu comment espacer ces brides. Attention, la première manche, vous notez bien le nombre de brides que vous faites, multiple de 3 plus 1. Dans mon cas,
j'ai 94 brides, mais c'est mon cas, c'est ma dimension de manche. Vous notez bien, puisqu'il faudra bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va se retrouver pour les coutures. À tout de suite. Alors voilà, donc nous nous retrouvons avec donc les deux manches de fête, hein, comme ceci. Donc vous avez vos manches et votre côté latéral à coudre. Alors j'ai déjà avancé le travail pour vous montrer un petit peu ce que donne la couture que je vais donc vous montrer. Je vais les plier, donc je vais un petit peu les écarter là, ces coutures au fer. Mais vraiment, vous voyez, c'est relativement propre comme couture. Alors, premièrement, vous allez vous mettre donc sur l'envers, l'envers devant vous, endroit contre endroit. Et vous allez commencer par la manche. La chose qui est importante est de faire coïncider, voyez, je vais zoomer, vous allez tout de suite comprendre. Vous devez faire coïncider les motifs avec les motifs. Vous voyez ici, nous avons les brides en relief. Alors, pour vous aider, vous pouvez prendre une pince, si vous n'avez pas de pince de couturière, une pince à linge ou une pince à couturière comme ceci. Vous voyez? Et au fur et à mesure que vous progressez dans la couture, vous la déplacez, mais ça, ça vous aide justement à éviter ce genre de choses. Hein. Voilà, donc vous avez, tout est bien en parallèle, hein. Vous faites bien coïncider. Donc je vais vous montrer là maintenant le type de couture que je fais. Alors je vais vous montrer déjà la couture, ce qu'elle donne quand on est à l'intérieur du pull, c'est-à-dire sur l'envers. Ça fait à peu près comme ceci. Vous voyez ? Comme ceci, mais sur l'endroit, ça donne ça. Et là, je vais l'écarter donc au fer. Alors, bien évidemment, vous voyez, c'est les bords sont comme ils sont, donc on ne peut pas faire autrement. Pour la partie couleur unie, c'est plus facile. Alors là, vous voyez, vous avez les deux petites crêtes. Là, vous mettez ça comme ceci et vous plaquez. Alors, vous faites des allers-retours comme ceci, donc je vais vous montrer rien. Alors, patience, hein, c'est long, il faut y aller doucement. Donc, vous allez insérer ici dans l'angle, comme ceci, voilà, pardon, comme ceci, vous insérez dans l'angle, comme ceci, vous faites un nœud, et vous cacherez le nœud par la suite, hein, c'est-à-dire le fil. Là, double nœud bien évidemment, et ce fil si vous le cachez par la suite. Voilà, vous pouvez même encore fixer avec votre aiguille à laine encore des petits points quand vous aurez terminé. Alors là déjà voyez, vous faites coïncider, vous faites coïncider la chaînette ici avec la chaînette pour être raccord. Donc, vous allez faire comme ceci, des points. Je vais vous montrer. Alors, moi, je traverse, voilà, comme ceci, je traverse les chaînettes, comme ceci. Comme ceci, donc je tire ici. À côté, des petits points, donc vous voyez, hein, à peu près de cette distance. Donc, c'est long, bien sûr, mais au moins, on assure la couture. Voilà. Donc, quand vous avez... Alors, ne faites pas, par exemple, comme ceci dans les trous, voyez. Mais moi, je prends vraiment dans les chaînettes. Dans les chaînettes que vous voyez, des allers-retours. Voilà. Prenez un fil long qui vous permettra de faire tout le long sans avoir à changer, couper, refaire des nœuds, etc. Donc, vous calculez bien. Voilà, je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Alors, vous avez bien compris, j'ai bien zoomé, donc vous pouvez bien le voir. Et puis, on se retrouve eh bien, une fois que la couture a été faite. J'ai donné un petit coup de fer. Alors, comme c'est de la microfibre, un fer pas trop chaud, hein,
vraiment un fer pour acrylique laine, pas plus, sinon ben, ça colle hein, parce que c'est de la microfibre. Voilà, donc on se retrouve le pull terminé. À tout de suite. Voilà, donc le pull est terminé, je l'ai inséré sur le mannequin. Donc vous avez vu là nos brides hein, sur la manche, nos brides en relief, là on le voit très bien, les coutures des manches. Je vais bien vous montrer, on voit absolument rien du tout. Voilà, ça fond dans le décor, on va dire ça comme ça. Les coutures ici aux épaules, vous voyez, on ne voit strictement rien. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Vous avez pu constater qu'il n'est pas difficile. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.